Ok, j'arrive. Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Technique de Test. On se retrouve aujourd'hui puisque Florian, qui bosse avec moi, vous avez vu apparaître dans plusieurs des vidéos, rêvait de bosser avec un produit high-tech. Ce produit high-tech là, on va le découvrir ensemble. Mais le mieux pour ça, c'est de partir direction Paris chez Florian pour lui faire découvrir en main propre ce produit. Je suis votre chauffeur Autolib. Mesdames, messieurs, Augustin. Bonsoir. Oh putain la tête. Regarde, attends, y'a un mec qui fait du stop. C'est qui lui? Bah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que tu fous là, mec? Salut les gars. Ça va quoi? Vous avez de la place? Monsieur. Bonjour. Enchanté. Yo. Oh, Florian? Ouais. Non, c'est pas ce sac-là. Ce sac-là, tu le connais. Bah, je suis venu aujourd'hui exprès pour te montrer un produit. Je t'ai appelé tout à l'heure. Je t'ai dit, bon, on va chez toi. Je voulais te montrer un produit. Ça fait des mois que tu m'en parles. À chaque fois qu'on part en voyage, tu fais, ah, ce serait bien quand même de faire ça, mais avec ça, t'imagines si on avait ça, puis tu peux le contrôler avec le smartphone. Et d'ailleurs quoi? Là, tu me fais rêver là. Il rêvait de bosser avec ce produit. Genre vraiment, à chaque fois. C'est un produit de malade, arrête. C'est lequel? Parce qu'il y a plein de produits d'Electron en vrai. C'est celui qui te faisait rêver. Si je pouvais acheter le site entier. Oh, oh là là. Mec, mais ça, c'est une tuerie. C'est une barre de travelling motorisée. C'est une barre de travelling. C'est une barre comme ceci où vous positionnez la caméra dessus et elle va bouger automatiquement. Sauf que là, on ne la programme plus comme l'ancienne et énorme barre qu'on avait. On vient la connecter en Bluetooth à notre smartphone et sur le téléphone, quand tu bouges de droite à gauche, tu peux lui donner des effets pour qu'il les reproduise tout seul. C'est une tuerie ce truc. C'est une folie. Tu veux qu'on s'amuse à faire quelques petits plans avec? Ah bah, on s'amuse à le découvrir? Ouais. C'est parti, on vous montre ce que ça donne. T'as vu, je fais le genre traveling aussi. Ma main s'est transformée en traveling. Mec, je t'ai vu le configurer. Ça marche comment? C'est exceptionnel. En fait, ça marche comment? J'ai même pas besoin de t'expliquer. C'est ultra simple. Je peux te le mettre dans la main et là, en 2 minutes, tu vas réussir. Déjà, c'est tellement plus léger que l'autre immense barre de traveling qu'on a vu. On en avait un gros. Alors, c'est léger, mais ça reste assez robuste. On a l'impression que c'est solide, que ça va tenir avec une caméra dessus. Y a pas jusqu'à 9 kg? Ouais, 9 kg. T'imagines? Il y a des grosses têtes fluides qui sont dessus en fait. Là, on a choisi de mettre des batteries LPE6, les mêmes batteries que dans le 60D ou dans le 5D Mark IV. Si, ouais. Mais en fait, je me suis fait la remarque tout à l'heure, il n'y a même pas de bouton on-off dessus. Ah ouais? C'est juste, tu mets ta caméra dessus, tu télécharges l'appli et hop, ça marche. Ça coûte un certain prix. Alors ça coûte assez mon cher. Mon banquier m'a hurlé dessus. Moi, je l'ai pas. Quand je lui ai dit que je voulais te faire la surprise, qu'on allait bosser avec ça maintenant, il m'a hurlé dessus. Aux alentours des 800 € avec les options, les batteries, etc. Avant d'acheter ça, ayez les idées. Ayez les idées, ayez une raison. Aujourd'hui, on vend aussi de la production audiovisuelle. Ça. Donc ça nous permet de le rentabiliser. Ouais. Clairement, je pense pas que c'est fait pour tout le monde. Non, en fait, il faut avoir des projets, il faut savoir comment on va l'utiliser. Imaginer des plans, etc. Et à partir de là, ça peut être intéressant. Mais si vous l'achetez juste pour faire mumuse 5 minutes et après le ranger dans la boîte, ça sert à rien. Clairement, on a plusieurs modes qui vont être disponibles via l'application. Ouais, carrément. iOS, Android, j'ai vu, enfin moi je suis un fan de photos, mode timelapse où je branche en direct mon appareil photo à la barre de travelling. Ouais. Et c'est la barre de travelling qui me déclenche les photos. C'est ça. Et du coup, je peux faire quoi? Je peux tout faire. Oui, oui. Tu es dans le désert, tu te fais un timelapse de 3 heures. Sur l'appli, tu choisis la durée de ton timelapse, l'intervalle des photos, etc. Enfin, tout est fait, mais vraiment au plus simple, l'appli est géniale. Et, elle marche comment? Elle est reliée comment avec ta barre de travelling? C'est en Bluetooth Low Energy, donc c'est ultra simple. J'ai même pas eu à aller dans le menu Bluetooth de mon téléphone, ça s'est connecté automatiquement, donc c'est très simple. Ben voilà, vous en savez un peu plus sur ce produit-là. C'était la première prise en main, on peut pas même pas appeler ça un test. On va s'amuser, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, ce mode un peu vlog, je suis venu exprès jusqu'à chez toi. Trop bien. Maintenant, ça y est, on va pouvoir tester ça ensemble. Merci Flo, puis on te retrouve aussi sur Instagram si vous le suivez toujours pas. C'est pareil que moi, c'est un gros fan d'high-tech. Prenez soin de vous et à très vite, mes technophiles. Ciao tout le monde. Salut.